Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment ignorer les messages d'un ami ou d'un contact sur Messenger. Et en même temps, je vous invite à vous abonner gratuitement à la chaîne et à activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Pour commencer, on va se connecter avec notre compte Messenger sur l'application. Et là, on a deux façons de faire pour ignorer les messages d'un contact. Soit de façon temporaire. Dans ce cas-là, on va soit sélectionner notre contact ou directement créer une discussion avec lui. Et là, je précise bien qu'on est bien obligé de créer une discussion. Sinon, l'option n'est pas disponible. Et là, vous retournez sur la page des messages. Vous sélectionnez le message et vous faites désactiver les notifications. Et dans ce cas-là, vous avez le choix pour désactiver les notifications pour une discussion avec ce contact, avec une durée définie, comme 15 minutes par exemple, ou même jusqu'à réactivation. À partir de là, vous avez le petit icône avec le haut-parleur de paré. Et lorsque votre contact vous envoie un message, vous n'avez aucune notification. Et quand vous allez dans la discussion, on vous informe bien que les notifications sont désactivées pour cette conversation et que vous pouvez, bien entendu, les réactiver selon les paramètres que vous aviez choisis. Et la deuxième façon qui est permanente, soit sur l'onglet messages, vous restez appuyé sur la conversation et vous choisissez ignorer les messages, ou alors vous allez dans la conversation, vous allez sur le i, vous descendez et vous appuyez sur ignorer les messages. La Messenger vous informe bien que vous ne recevrez plus les notifications de votre contact et que la conversation ira directement dans les invitations, c'est-à-dire dans les messages filtrés, et que votre contact ne sera pas informé que vous ignorez ces messages. Vous validez. Messenger vous indique bien que la conversation a été déplacée dans les messages filtrés des invitations. Si vous mettez à jour votre onglet messages, votre conversation a bien disparu. Et si vous allez dans l'onglet contact, vous allez dans invitation, vous retrouvez votre discussion dans ces messages filtrés. Et pour pouvoir réactiver les notifications de votre contact, il vous suffit soit d'appuyer sur l'icône de validation ou soit d'appuyer sur répondre. Et lorsque vous retournez dans l'onglet messages, votre discussion est de nouveau présente et vous serez de nouveau notifié des messages de votre contact. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager puis à la liker. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.